Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'un footballeur qui est devenu le footballeur le plus riche de l'histoire. Non, c'est pas Ronaldo, c'est pas Messi, c'est pas Zidane. C'est un footballeur inconnu, anonyme, Mathieu, je pense qu'il est français. Hein. Il jouait dans un petit club espagnol. À un certain moment, il jouait en Italie. Et puis, il a rencontré quelqu'un qui lui a dit, écoute, tu vas devenir... Non, j'ai un projet qui est génial, qui tient la route et qui a un énorme potentiel. Il se dit, bon, j'y connais rien, mais j'ai confiance dans la personne. Donc, il prend une grosse partie de ses économies et il l'investit dans la boîte. Et aujourd'hui, cette boîte, elle vaut des milliards de dollars ou d'euros, peu importe. Ce qui fait que ce petit footballeur, entre guillemets, va devenir le footballeur le plus riche de la planète. Incroyable! Donc c'est l'ironie de l'histoire, c'est que ben, c'est le lièvre et la tortue. Dans l'histoire, le lièvre c'est Ronaldo et la tortue ben, c'est Mathieu. Mais Mathieu, en fait, il a appliqué un principe de base qui est d'investir. Investir. Et moi, ce que j'enseigne, je ne vais pas vous enseigner à devenir milliardaire, mais j'enseigne que ben, l'investissement, si vous savez investir, vous pouvez devenir millionnaire. Vous pouvez bien évidemment avoir de l'argent, mais derrière, il faut maîtriser certains principes de base. Il faut, comment dirais-je, les travailler sur la durée. Et il faut se dire que, voilà, et là je vous partage Disney World Welcome. Et là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, voilà, ces principes, bah, ils vont vous permettre de devenir beaucoup plus riche que la moyenne. Mais tous les investissements ne vous permettront pas de devenir milliardaire. Si j'ai développé une formation sur les cryptos, c'est que à un certain moment, je me suis dit, ouais, tu peux tout perdre, mais tu peux également gagner gros. Ne pas en parler à mes étudiants, c'était être pas professionnel. J'ai fait une super formation sur le sujet. Je ne fais pas la pub, hein, ça y est, on a fini la masterclass. Mais cette formation, on a reçu énormément. On a eu 80% d'étudiants qui ont dit que c'était excellent et 20% qui ont dit que c'était très bien. Il y a eu une personne qui a dit que c'était moyen. Pourquoi? Parce qu'elle ne comprenait rien au marché financier. C'est vrai que c'était une formation où il fallait avoir quand même certaines notions, notamment suivre le programme TKL Trader. Mais peu importe, c'est pas grave et je gère ça. J'ai reçu des retours énormes de la part de mes étudiants, mais j'ai également travaillé énormément parce que je voulais leur apprendre finalement bah, ce qu'étaient les crypto-monnaies. Et peut-être que certaines cryptos vont exploser, peut-être que ça va valoir rien du tout, mais si on ne risque pas l'argent, si on ne prend pas de risque dans la vie, ben, on n'aura rien. Moi, je vais vous dire, il y a deux choses. Il y a ceux qui ne prennent pas de risques, mais c'est le plus grand risque qui soit. Il y a ceux qui prennent des risques, bien évidemment qui peuvent tout perdre. Mais ce sont les personnes qui sont en action, qui sont en train d'agir. Et ça va payer. Le fait de prendre des risques intelligents, tôt ou tard, ça va payer. En fait, ceux qui vont le plus souffrir, ce sont ceux qui ne se bougent pas et qui font rien. Ceux qui prennent des risques, ils vont se prendre une baffe, deux baffes, trois baffes. Mais croyez-moi, ils apprennent. Les échecs ne sont pas forcément négatifs. Les échecs, ça veut dire que vous avancez. Ça veut dire que vous progressez. Ça veut dire que vous faites des choses. Et si à un certain moment, vous tirez les bonnes leçons de ces échecs, magnifique les amis. Voilà, petite vidéo pour dire bravo à Mathieu, tu es milliardaire. Si tu veux que je te fasse une interview, avec grand plaisir. Et je vous dis à bientôt les amis. Ciao, 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 beaucoup d'amour. Merci d'avoir regardé cette vidéo les amis, merci, cliquez ci-dessous si vous voulez voir plus de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt, ciao, ciao, ciao!